Platine Web TV, le Flash Info. Bonsoir, bonsoir. Content de vous retrouver sur Platine Web TV, la page Les Infos. Content de vous retrouver. Donc, juste pour faire le point avec vous, je vous rappelle qu'on va suivre. On va suivre ce convoi de la liberté, on va suivre cet événement depuis hier, en fin de compte, jusqu'à Bruxelles, et puis on verra. Donc, grâce à vous, vous qui êtes les abonnés de Platine Web, si par le plus grand des hasards, vous faites partie des participants, si vous partez de La Rochelle ou de la Charente-Maritime, contactez Platine Web, contactez-moi assez rapidement, pour qu'on puisse voir ces choses ensemble. Et puis là, dans quelques instants, eh ben, on va retrouver le magazine, ou plutôt le média, Putsch Média, qui reçoit Marisa et Maria. Elles sont les porte-parole de Convoi, Freedom Convoi et Convoi France, hein, European Freedom Convoi d'un côté, et Convoi France pour Marisa. Donc on va attendre leur direct, on va le retrouver aussi sur notre page. Et puis en attendant, je voulais juste vous montrer cette carte de France qui est là avec les différentes couleurs, qui sont les différents trajets qui vont se mettre en route là en début de semaine. On verra tout ça pour les dates. Le trajet, celui-là est important, le trajet qui nous concerne pour vous qui partez de La Rochelle, le deuxième jour, vous partez normalement, pas normalement, vous partez le 10. Le 10 à 14h, vous avez déjà rendez-vous pour faire un point donc à Niort avec la pause goûter, hein, jusqu'à 16h. Voilà, on verra ça ensemble. C'est pour vous rappeler, si vous avez envie de participer avec votre média Platine Web TV, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Voilà les couleurs, je vous parlais des couleurs qu'on voyait sur la carte de France. Le trajet rouge Nice-Paris, le Perpignan-Paris et le Bayonne-Paris, en l'occurrence, c'est celui-là qui nous intéresse. On va suivre dans quelques instants le magazine Putsch Live. Dans quelques instants, on va d'ailleurs s'y rendre dès maintenant. Alors à tout de suite. Et puis merci à eux de partager cette émission. C'est vrai qu'on va dans le même sens dans ce convoi. Bien entendu, ce soir vous êtes sur Putsch Live, Putsch Media. Nous sommes le vendredi 4 février et nous sommes toujours sous le régime inique de ce passe vaccinal. Merci à tous, Jean Castex, Emmanuel Macron, Olivier Véran. Formidable d'ailleurs, Olivier Véran qui a été hué à Saint-Nazaire hier. Vous irez voir ça sur Putsch Media à la une dès demain matin. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir. Alors là, on est sur un sujet qui commence à monter sur les réseaux sociaux, le Convoi France. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Maria et Marisa. Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va bien, merci. Alors je vous présente, hein, Marisa, vous êtes porte-parole de Convoi France officiel, et Maria, vous êtes porte-parole de European Freedom Convoi et Convoi France, bien entendu. Donc ce soir, on va aborder tous les sujets parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous regardent. Qui ont envie d'en voir des infos, parce qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui sont excédés par ce qui se passe en France, la perte des libertés, il faut le dire aujourd'hui, ça devient absolument insupportable ce pays, on ne peut plus absolument rien faire, et ça pose des questions de liberté, ça pose des questions de pacte social, ça pose de solidarité, d'entrave à la liberté, même d'entrave de déplacement, on n'aurait jamais pensé ça en France, enfin on avait bien compris qu'Emmanuel Macron, depuis les Gilets jaunes, il y avait quand même un sérieux problème avec la démocratie. Et ce soir, on va parler de ça. C'est vous qui êtes là pour nous parler de tout ça. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes déjà très, très nombreux sur le live. Merci beaucoup. Mesdames, alors on va commencer immédiatement sur Putsch Live ce soir, cet entretien que j'espère dense, mais j'ai pas de problème là-dessus. Comment la jeunesse du convoi, moi j'aime toujours revenir aux origines. Là, comment ça s'est mis en place cette histoire? Parce que je sais que vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'organisation, mesdames. Alors, jeunesse du convoi, Maria, Marisa. Eh bien oui, je pense qu'on peut dire qu'on est beaucoup à travailler. Eh bien, ça a commencé au Canada, notamment avec donc les truckers, puisque c'est un mouvement au Canada qui est un mouvement donc de routiers. C'est vrai que ces images nous ont fait tellement de bien que ça s'est diffusé comme une traînée de poudre en France. En effet, on peut voir que le Canada a ouvert la voie en montrant quand même son extraordinaire capacité à ramener de la joie et surtout de l'espoir dans un convoi qui se veut extrêmement pacifique.
Donc c'est vrai que toutes les images que l'on a vues ont permis vraiment de donner un sentiment aux gens qu'il y avait quelque chose de possible pour retrouver du lien et de l'entraide. Comme vous l'avez bien expliqué, depuis 2 ans, on a été distanciés, on a été confinés. Il y a également énormément de dissensus dans les familles qui se sont installées avec les politiques mises en place. Et on se rend compte, avec une initiative comme celle des Canadiens, que les gens ont besoin de liens, de se rapprocher. Et c'est vrai que, du coup, certains d'entre nous avons saisi cette occasion au vol. Je peux vous dire que Marisa et moi, on ne s'attendait pas à rentrer dans une telle organisation. Et la plupart de nos confrères et consoeurs européens sont dans la même situation. Donc, ce qui s'est passé en France avec la création de réseaux sociaux, que ce soit par Telegram ou Facebook, où les gens se sont dit prêts à faire la même chose, eh bien, s'il s'est passé la même chose en Finlande, en Suède, en Portugal, en Belgique, en Norvège, en Roumanie. Et quand on fait toutes ces réunions avec nos collègues européens, on sent une extraordinaire fraternité et on retrouve exactement la même chose en France chez nous. Bon, mais merci pour cette introduction. Alors, n'hésitez pas, parce qu'on a lancé un sondage sur Twitter et un sondage sur YouTube. Pour ceux qui nous regardent sur Twitter, vous pouvez répondre, c'est dans le fil de Pouch Media, le compte Twitter, et également sur YouTube. Dites-nous si vous avez participé, pas participé, ou si vous n'avez pas assez d'infos, parce que c'est la tendance, et on va en parler tout à l'heure, hein. Pas assez d'infos, donc dites-nous, parce que c'est des questions que je vais poser à Maria et Marisa, et dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Vous pouvez aussi nous dire si vous participez directement sur le chat, mais c'est quand même mieux de répondre au sondage. D'accord, donc la jeunesse, elle part, effectivement, du Canada. Information, il y aurait des camionneurs et des truckers. Nous, on a recoupé l'information qui serait en train d'aller aujourd'hui sur le Parlement à Québec, donc au Québec, à Québec, bien entendu. Ils sont en train de se masser devant la ville de Québec. Le Parlement est au nord de la ville, un peu surplombant. Et il y aurait des convois aussi qui se dirigeraient vers Québec. Là, on est vraiment sur des gens qui commencent à construire, notamment à Ottawa, des cabanes. Hein. Allez voir sur Poutpédia, vous avez un article, vous avez une vidéo. Vous avez des camionneurs qui commencent à construire des cabanes en bois. Donc, ils ont envie un peu de rester, les amis. Là. Donc, on a cette genèse. Là-dessus, c'est intéressant. Maria, bien entendu, vous, la genèse, quelque chose à ajouter là-dessus pour qu'on continue à dérouler l'entretien? Eh bien, sur la genèse, on peut dire qu'on s'est rendu compte, puisque vous parliez au niveau média, qu'on a des difficultés à avoir une information qui est plurielle. En discutant avec nos amis, que ce soit du Canada ou même d'autres pays, hein, que ce soit donc en Europe ou même ailleurs, puisque cette initiative est en train de s'exporter aussi vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et également certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Donc, on s'est rendu compte qu'on vivait tous les mêmes problématiques. Voilà, qu'elle soit sociale ou sanitaire ou avec des difficultés, notamment peut-être démocratiques, de faire remonter les choses que ressentent les personnes d'en bas et qui ont du mal à passer le plafond de verre de nos parlementaires. Donc c'est très intéressant de voir que en fait nous sommes assez unis dans notre ressenti et ce besoin de retrouver du lien, de la fraternité et peut-être de proposer autre chose que la société dans laquelle on vit depuis 2 ans ou 3 ans. Oui, effectivement, c'est des sujets extrêmement intéressants. On essaiera peut-être de les aborder tout à l'heure. Je vais bien entendu donner la parole à Marisa. Marisa, quelles sont aujourd'hui les principales revendications du mouvement? Marianne a un peu abordé, mais les principales revendications concrètement du convoi de la liberté ou pour la liberté? C'est principalement la liberté, bien entendu. Récupérer les droits fondamentaux, le respect du référendum, l'accès inconditionnel aux soins, à l'éducation, à la culture et puis le respect des valeurs essentielles de notre Constitution. Oui, donc ça, c'est ce qui porte, parce que j'ai lu un article chez un de nos confrères, effectivement, on disait que si il y avait des revendications, vous savez, ce gros mot de gilet jaune, bien entendu, qui ne sont que les Français qui ont envie de vivre dignement, tout simplement. Ils n'ont pas envie de faire la révolution, les gilets jaunes, ils ont juste envie qu'on les prenne en considération et qu'ils puissent vivre paisiblement de leur boulot, sans pour autant qu'on leur crache dessus et qu'on les humilie comme on le fait trop souvent. Finalement, il y a ça aussi, parce qu'il y a, c'est la volonté de que finalement, les Français, nous, Français moyens, et dont nous nous revendiquons, puissent vivre paisiblement, c'est ça Marisa, non? Oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça, et pour vivre paisiblement, il faut quand même retrouver sa liberté, pour commencer. Ouais. Et du coup, c'est une initiative qu'on a prévue avec Convoi France, c'est de permettre justement à chaque citoyen qui le souhaite de nous écrire une lettre, et que nous, on portera justement à des élus qui pourront les transmettre donc au Parlement à Paris,
ou au Parlement européen. C'est aussi voilà, cette initiative qui permet aussi de faire remonter le vécu ou le ressenti des gens auprès des gens qui le représentent. D'accord, donc ça c'est intéressant. Donc où cette lettre peut-elle être envoyée? J'imagine qu'il y a un mail, il y a quelque chose. Vous pouvez nous donner des infos, mesdames? Alors, pas de mail. On va être, en fait, au niveau du mail, ça paraît vraiment compliqué de devoir imprimer beaucoup de mails, surtout si on arrive à Paris, on est sur la route. Donc on propose aux personnes qui le souhaitent, s'ils veulent écrire un mail, d'écrire aux députés européens ou français qui pourraient le mieux le représenter et être à même d'écouter ce qu'il a à dire. Et sinon, au niveau des convois, quand on aura des pauses, eh bien, les gens peuvent nous les apporter et c'est avec un grand plaisir qu'on les portera à nos élus qui veulent bien nous rencontrer, soit sur Paris ou soit sur Bruxelles. Il y a déjà des députés aujourd'hui avec qui vous avez pris contact ou qui pourraient vous rencontrer sur le parcours, des gens peut-être à Paris, des députés qui se saisissent aussi de cette mobilisation ou pas? Est-ce qu'ils se saisissent de l'opportunité? Je pense qu'ils ont, ceux qu'on a eu en lien ne veulent pas que le mouvement, qui est clairement citoyen, soit récupéré. Et donc, pour l'instant, ils restent en retrait. Ils nous ont dit qu'ils seront présents. Vous voyez l'idée? Ils ne veulent pas qu'on pense qu'il y a une récupération quelconque, parce qu'ils tiennent, comme nous, ils se sentent citoyens avant tout, et donc ils tiennent à ce que ça reste un mouvement citoyen. Donc, ils ne veulent pas, pour l'instant, communiquer forcément là-dessus pour que le mouvement reste bien citoyen pour tout le monde. D'accord, donc ça c'est important. Et après, effectivement, on me le dit en commentaire, bientôt va arriver la présidentielle, bientôt vont arriver les législatives et probablement qu'il y aura un jeu de chamboule tout avec de nouveaux députés. Mais quand je parle à ça, je parle notamment au sénateur et Alain Houpert, je pense aussi à Loïc Hervé, notamment, qui sont beaucoup, beaucoup engagés. Je pense à Dupont-Aignan, vous voyez, on est quand même sur des sphères politiques très larges. Quelques-uns se sont quand même battus aussi, les LFI, certains aussi se sont même beaucoup battus là-dessus. Donc ça allait de Dupont-Aignan à la LFI, donc c'était assez large, mais pas suffisamment nombreux, bien entendu, puisqu'il y avait, je crois, moins de 70 députés qui ont voté contre. Maintenant, on continue là-dessus. La question que tout le monde se pose, donc j'ai fait mon édito sur RT France hier matin, et je l'ai dit parce que je pense qu'aujourd'hui, même vous, est-ce que vous avez plus d'informations sur la tendance de la mobilisation? Voilà. Je sais que c'est compliqué comme question, mais au vu de l'émulation sur les réseaux, c'est ce que j'ai noté moi, mais après, entre l'émulation sur les réseaux, les messages sur le canapé et ce qui va se passer sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, mesdames, ce soir, en ce 4 février? En ce 4 février, on peut dire qu'il y a un intérêt certain. Ouais. Voilà, ça c'est sûr. La mobilisation, je pense qu'elle va être là, parce que je n'ai jamais reçu autant de messages de ma vie et de personnes. Alors, je ne sais pas comment nos numéros et ainsi de suite circulent, mais ça va vite, hein. Voilà, c'est ça. Mais toujours est-il, des demandes spontanées de personnes qui se proposent à apporter leur aide, qui regrettent sincèrement de ne pas pouvoir être là et qui proposent leur aide à tout niveau. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est des choses qu'on a jamais, parce qu'on a déjà, on appartient à des collectifs aussi, on avait déjà eu des engagements. Et c'est des choses qu'on n'a jamais rencontrées. Donc, je pense effectivement, et partout dans tous les départements, c'est assez en effervescence. Donc, je pense que la mobilisation sera là. D'accord. Ok, donc, et grosso modo, on schématise un peu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens sur le live. Il y a près de 1200 personnes actuellement qui nous regardent. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à répondre sur le sondage sur YouTube. Vous l'avez dans les commentaires. Répondez sur le chat. Répondez si oui ou non vous participerez ou si vous n'avez pas assez d'infos parce que c'est la tendance. Alors, ce n'est pas la tendance majoritaire. Mais c'est une tendance qu'il faut prendre en compte aussi bien sur Twitter en ce moment. Si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à aller voter sur Pouch Media. Et pour nous dire, et posez-nous en commentaire aussi vos questions là-dessus. Marisa et Maria sont là aussi ce soir pour ça, hein, pour répondre, essayer de répondre à toutes nos questions. J'essaie d'en poser le maximum de manière, je me pose moi comme un citoyen qui veut avoir des infos et c'est un peu le but de cette émission, bien entendu. Donc les objectifs, concrètement, on est d'accord. C'est aller à Paris et ensuite à Paris, c'est un départ vers Bruxelles le dimanche, je crois. C'est ça, pas ce dimanche, mais le dimanche d'après, soyons très clairs. Alors non, on n'ira pas à Paris. On n'ira pas à Paris. Convoi France ne va pas à Paris. On converge sur Paris, mais on sera en région parisienne. On n'ira pas à Paris. Après, donc on arrivera le vendredi soir en région parisienne. Donc, on fait un appel à tout l'IDF, l'Île-de-France et Paris, proposer des logements pour toutes les personnes qui montent. Et ce, vous pouvez le faire. On a créé donc des groupes Telegram, dont ça s'appelle Entraide Convoi France. Et là-dessus, vous pouvez aller déposer vos propositions de logements.
C'est quoi, c'est hébergement, C'est c'est pas ça, mal de choses, c'est hein? hébergement pour les nuitées, parce qu'on va être sur la région parisienne. Je préfère pas dire Paris, mais bien sûr, il y en a qui seront certainement logés sur Paris, le vendredi soir, le samedi soir. Donc au moins 2 nuits, donc on va avoir besoin de beaucoup d'hébergement. Donc ça, ensuite, Convoi France se mettra en pause pour reprendre. On repartira le dimanche en direction de Bruxelles. D'accord, ok. Donc ouais, vous n'allez pas dans Paris, vous resterez à proximité de Paris pour aller bien entendu sur Bruxelles. Et là, sur Bruxelles, parlons-en. Sur Bruxelles, c'est là que je veux qu'on parle effectivement des autres convois. Donc il va y avoir des convois d'à peu près toute l'Europe. Vous savez déjà les pays aujourd'hui qui sont suffisamment structurés ou pas pour aller sur Bruxelles le lundi 14 ou pas? On peut partir sur le fait que l'Europe sera mobilisée. Voilà. En tout cas, moi, je peux vous donner des exemples, hein, au niveau du Portugal. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Donc, ils vont être accompagnés par la police, qui vont les convoyer avec eux jusqu'à la frontière pour aller jusqu'en Espagne. Ensuite, le Portugal et l'Espagne iront ensemble, prendront la route donc sur notre territoire national, la France, pour remonter par Bordeaux et nous rejoindre. Et il faut savoir que du coup, nos collègues espagnols et portugais vont ramener avec eux énormément donc de spécialités de leur pays pour pouvoir les partager avec nous. Et j'espère que notre solidarité nationale permettra justement de partager avec eux voilà les belles choses de nos différentes régions. Donc ça fait partie des beaux moments que l'on va vivre, je pense, avec ce qu'on voit. D'accord. Alors la base, parce que c'est, on en a parlé un peu tout à l'heure, bien entendu, mais la base, le socle des revendications de tous ces convois, une fois Bruxelles. Pourquoi Bruxelles et quel est le socle vraiment de tous ces convois, comme c'est le cas d'ailleurs à Ottawa, où il est très clair que c'est l'arrêt immédiat de toutes les mesures coercitives sanitaires dans toute leur étendue, quoi. C'est ça le socle pour vous aujourd'hui? Alors, nous, comme on a vu avec Convoi France, on en reprend à peu près les mêmes revendications en fait, que l'Europe. Puisqu'on est le convoi officiel français qui est avec l'Europe, justement. Donc, nous, on est sur cette lignée, c'est-à-dire de dire le respect de la démocratie, le respect de la dignité humaine, le respect voilà, de nos constitutions, de nos droits fondamentaux. Et c'est vraiment ça qui est le socle qui est important que l'on veut faire valoir, puisque c'est ça qui a été bafoué jusqu'à aujourd'hui. Après, au niveau vraiment des revendications aussi claires qu'au Canada, je ne pourrais pas forcément vous en dire plus parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est général, c'est-à-dire on ne veut pas, c'est pas une affaire de, par exemple, pour prendre l'exemple, une affaire de vacciner ou pas vacciner, Oui, on est bien tous dans sûr, le même oui. bateau. Avec la politique qu'on a vécue ces derniers temps, en fait, on est quasiment tous perdants puisqu'on sent que les services publics sont atteints, la démocratie est atteinte, les libertés sont atteintes, la jeunesse n'est pas très en forme. Toutes ces choses-là, en fait, ont besoin d'être remontées puisqu'il y a également on a également, nous, par exemple, en France, notre président est aussi le président de l'Europe. Et au niveau de l'Europe, énormément de décisions sont prises qui ensuite se répercutent sur nos propres pays, avec ce sentiment que il faut aussi aller à Bruxelles puisque c'est à cet endroit que l'on a des parlementaires qui prennent des décisions en notre nom, où les gens ne se sentent pas représentés et où leur vécu et leur ressenti n'est pas représentatif des décisions ou des lois qui sont décidées. Ben, si vous y allez, peut-être qu'un représentant des convois pourrait demander à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de montrer ses textos, les fameux textos qu'elle a échangés avec Albert Bourla. Ça serait bien que Ursula, un petit message Ursula, si tu pouvais à un moment donné nous montrer les textos, parce que la médiatrice européenne les demande, hein, ça fait un moment qu'elle te les demande. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc ça aussi, bon, je plaisante bien entendu, mesdames, mais vous l'avez dit, vous avez touché du doigt qu'à un moment donné, l'Union européenne qui n'a pas la, rappelons-le, l'Union européenne n'a pas la prérogative de la santé. C'est la propriété, la souveraineté des États. Et là, en fait, toute cette crise sanitaire a été gérée de main, je ne vais pas dire de maître, vous imaginez bien, de main de fer et de même de fer molle, on va dire, de cette crise sanitaire. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, on voit très bien ce qui se passe. Et le cas des textos, ce que j'appelle les textogate d'Ursula von der Leyen, pose quand même de sacrés soucis d'opacité. Ce n'est pas Nicolas Vidal qui le dit. C'est la médiatrice de l'Union européenne, c'est Elisabeth O'Reilly. Vous pouvez aller jeter, il y a un grand papier sur Pouch Media là-dessus. Donc voilà, vraiment le point de convergence, c'est Bruxelles aujourd'hui, c'est ça, grosso modo.
Oui, et toujours avec cette attitude qui est pacifique, en fait. Ça, je veux vraiment le marteler, puisque c'est le Canada qui a ouvert cette voie-là, de dire que l'on peut établir une forme de rapport de force pour la discussion, en montrant que nous sommes nombreux à nous poser beaucoup de questions, que nous sommes pacifiques et que nous souhaitons avoir des réponses. Et ça a été le mot d'ordre qui a été donné, du coup, au niveau européen, au niveau de la France. On doit vraiment faire valoir les droits du peuple, tout en maintenant une attitude d'unité, de fraternité et de solidarité. C'est la seule chose qui compte, puisque c'est ce qui a été brisé ces dernières années. Et on veut montrer que nous sommes des gens qui sont solidaires et que nous ne sommes pas, contrairement à ce qui est souvent dit, des dissidents ou des gens qui pourraient commettre des choses dangereuses ou des anti-vax ou des je ne sais quoi ou des extrêmes droites. Voilà, c'est vrai que ça permet aussi d'inviter, c'est-à-dire les presses que vous aviez citées tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, de venir nous rencontrer, de faire de vrais reportages de terrain pour vérifier les gens que nous sommes. Marisa pourra le dire même mieux que moi. Eh bien, Si on vous va en saviez le parler. nombre de femmes qui est à la tête des collectifs ou de ce mouvement de pères de famille. On a des enfants en bas âge et on essaie de gérer quelque chose pour dire, écoutez-nous, on n'est pas violents, on est des gens extrêmement pacifiques, on fait ça pour nos enfants, pour leur avenir et aussi pour permettre qu'ils vivent dans un monde que nous, on a connu plus jeune, où on se sentait quand même bien, même si ce n'était pas C'est parfait. ça la question que j'ai envie de vous poser, Marisa et Maria, bien entendu. C'est l'objectif. On en a parlé des revendications. Mais l'objectif, finalement, c'est de revenir au monde qu'on connaissait avant, c'est-à-dire un monde un peu plus démocratique, beaucoup plus démocratique, libre, où on pouvait faire avec la liberté d'expression et la liberté de posséder, ou du moins de posséder son corps, bien entendu. C'est finalement ce retour à une société plus équilibrée qui est en jeu aujourd'hui, selon vous, mesdames. Alors, faut quand même remonter un petit peu, hein. Oui, ah oui, on peut me remonter beaucoup même. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que si vous me dites c'est remonté au monde il y a 2 ans, même avec toute cette crise, j'ai pas plus envie. D'ailleurs, les gilets jaunes, ça a bien été le reflet d'un ras-le-bol général. Donc, retourner à un monde où j'ai envie de dire aussi, où en plus de tout ce qui a été dit, hein, bien entendu, chaque responsabilité est prise. C'est-à-dire où nos politiciens, nos élus, sont vraiment dans leur rôle de représenter les citoyens. Et on s'en est aperçu avec les différentes élections, on a un taux d'absentéisme assez inouï. Donc le peuple français a conscience qu'il y a une telle déconnexion avec ce monde politique qu'il faut rattraper. Donc oui, revenir à un monde d'avant, vraiment où c'était, alors je ne sais pas à partir de quand on peut dire, où c'était vraiment démocratique et où nos élus nous représentait et était un vrai contre-pouvoir. Et pas seulement juste d'éditer, parce que c'est ce que fait à l'heure actuelle le Parlement, il édite la parole qui est faite du gouvernement. Et Mais même ce plus nouveau que monde, ça, on est en train de c'est... le créer, je pense même aussi, puisque si vous voyez, on travaille vraiment en démocratie participative. Alors, vous disiez justement, à juste titre, que les gens manquaient d'informations. On va s'excuser de vous dire, on est désolé de ne pas pouvoir tout vous apporter tout de suite, parce qu'en fait, on prend du temps pour discuter en région, en localité, dans les départements, pour adapter en fait le trajet, qui reste une proposition avec les horaires, qui soit adapté au territoire où l'on vit, aux spécificités de montagne, de la mer, de la Creuse, du centre, ou de la région parisienne ou du nord. Et c'est vrai que, comme disait Marisa, peut-être s'il faut remonter à loin, ou peut-être qu'il faut qu'on invente autre chose qui marche mieux. Et c'est vrai que je pense que Marisa pourra vraiment le dire, dans l'engagement qu'on a depuis quelques années, est vraiment de créer ce travail participatif. Oui, ben ça c'est intéressant. Alors je m'adresse bien entendu maintenant aux téléspectateurs. Continuez de voter, hein. Faudra arriver à plus de 1000 votes. On est à près de 680 votes actuellement. J'aimerais avoir vraiment une grosse tendance sur au moins 1000 personnes, 1500 personnes. Vous êtes très nombreux sur le live. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à venir sur YouTube pour pouvoir voter. Bien entendu, YouTube Pouch Media, Pouch Live, vous tomberez sur l'émission et vous pourrez voter. Et également sur Twitter, Pouch Media. Comme ça, on aura une tendance et on en parlera en fin d'émission, cette tendance. On va laisser les gens voter sur la question est simple. C'est allez-vous participer au convoi de la liberté? Oui. Non, ou je n'ai pas assez d'infos. J'aimerais qu'on ait une tendance d'ici une vingtaine de minutes pour que vous puissiez à un moment donné répondre aux gens directement sur les questions qui seront posées. Ça me paraît extrêmement, extrêmement important. Alors,
Moi, il y a quelque chose aussi qui m'intéresse. J'avais suivi les Gilets jaunes dès le 20 novembre 2018. J'ai fait le premier rebond en Normandie, même c'était le 19 novembre 2018. Donc, vous voyez, c'est un mouvement que j'ai suivi depuis le début. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout politisés, qui n'avaient même pas notion de la démocratie dans laquelle ils vivaient, se sont saisis des questions de démocratie politique à l'aube et à l'orée des Gilets jaunes. Est-ce que vous aussi, dans les gens avec qui vous discutez en ce moment, avec qui vous organisez, est-ce qu'il y a aussi ces gens qui sont devenus, qui viennent de basculer en tant que citoyens en se disant on vit vraiment une époque terrible, il va falloir que je m'engage, du moins que je puisse faire entendre ma voix pour changer ça. Est-ce que c'est un constat que vous pouvez faire, mesdames, aujourd'hui? Alors, c'est difficile de parler pour les autres. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Voilà. Je faisais partie de ces absentéistes dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et puis, je me suis dit, en fait, quelque part, on a démissionné. Nous tous, les citoyens, on les a laissés faire à la tête. On a dit, bon, bah, en fait, on n'est pas politique, on n'y connaît rien, a priori. Et puis, à devoir toutes les décisions qu'ils prennent, on se dit, bah, finalement, ça serait peut-être pas pire si c'était nous. Donc, Et c'est surtout, je me permets, Marisa, mais c'est surtout que, par exemple, les mesures sanitaires depuis le début, regardez le confinement, regardez le pass vaccinal, le pass sanitaire, pardon, et le masque, ce sont des mesures politiques. Ce sont des mesures politiques qui nous touchent directement. Donc, c'est intéressant, mon témoignage. Pardon, je vous ai coupé. Oui, donc, voilà, pour ma part, c'est vraiment ça. C'est un moment où je me suis dit, eh bien, j'ai une responsabilité, je suis maman de famille nombreuse. Et si je continue à démissionner, quel monde je vais laisser à mes enfants? Donc, on a envie de se réapproprier notre société, voilà, et que ça ne soit pas que certaines personnes, puisqu'ils ont été élus, qui décident tout, sans encore une fois aucunement s'occuper de ce que pense la base. Donc, oui, à ce niveau-là, une certaine réappropriation, ça, j'en suis sûre. Et c'est bien. Et ouais. ça a été un. Voilà, c'est un. Je pense que c'est un vrai réveil citoyen. Mais encore une fois, on est pacifique, on ne sait pas dire, voilà, on s'est réveillé, on vous éjecte. Ouais. Si demain, nos politiciens se mettaient à nous écouter, c'est quelque chose qu'on souhaiterait vraiment, c'est avoir un débat avec eux. Voilà, on va être samedi et dimanche à Paris, on les invite à venir nous retrouver et qu'ils nous écoutent, parce que c'est ça que nous critiquons le plus. Il n'y a absolument plus d'écoute. On a un conseil de défense qui prend toutes les décisions, là, en France. Les décisions en plus sont secrètes, donc on ne sait pas pourquoi, parce qu'on se bat contre un virus quand même, pas contre une armée étrangère. Et les informations tombent et à aucun moment on est concerté, alors que ça concerne notre santé, nos libertés. Donc si, encore une fois, s'ils ont envie de nous rejoindre samedi, dimanche, on est prêt à discuter avec eux sans problème. Et dans la bienveillance et dans le débat, bien entendu, équilibré et de manière avancée. Je le dis, mais je le sais, bien entendu. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce soir, vous êtes sur Putschlag. Merci, mesdames, Marisa, merci d'être là ce soir pour parler de ce convoi France, de convoi de la liberté qui fait beaucoup. On a beaucoup de logos qui ont été repris. Moi, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. On suit ça, bien entendu, ce qui se passe à Ottawa. On vous balance pas mal d'infos sur Putsch Media. N'hésitez pas à y aller. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, et Maria, la question s'adresse à vous également. C'est que finalement, si je vous comprends bien, c'est qu'il y a aussi une responsabilité des citoyens français d'avoir finalement laissé faire une partie de la classe politique qui aujourd'hui nous amène dans cette situation. Donc il y a une responsabilité aussi des Français. Il ne faut pas se dédouaner. Je commence par moi d'ailleurs aussi. Et j'irai même plus loin, des citoyennes. Ça va faire 2 ans, quasiment toutes les responsables de collectifs, d'associations avec qui on travaille se sont énormément de femmes. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant, moi je trouve, qui se passe au niveau de la France, hein, où on a des femmes qui étaient assez dépolitisées, ou après je pense que la plupart on est plutôt apartisans, on n'est pas politisés, mais qui commencent à s'intéresser, comme disait très justement Marisa, à ce qui se passe, et où on se rend compte, par exemple pour l'hôpital, que les décisions qui sont prises nous laissent complètement désarmés. On ne comprend pas qu'en pleine crise sanitaire, on puisse suspendre des soignants, qu'il y ait des lits qui soient supprimés, que l'on se retrouve 5 700 lits. C'est ça. Et c'est désarmant. On ne prend pas correctement soin de nos aînés. Qu'est-ce que l'on fait subir à nos enfants? Est-ce que les décisions sont proportionnées? Est-ce qu'on n'est pas en train de causer plus de tort à la jeunesse alors qu'on en parle de santé publique? Mais c'est vrai que, comme disait Marisa, on a besoin de ce débat.
Si vous saviez, presque de manière désespérée, on a écrit à nos élus, on a fait des lettres, on a demandé des rendez-vous à toutes les institutions qui peuvent exister, de l'ARS jusqu'à la direction des écoles, jusqu'à la direction des soins, jusqu'à l'État, aux députés. Il semble que le dialogue est quand même rompu, mais il n'est pas de notre fait, malheureusement. Il n'est pas de notre fait et nous le déplorons. Parce que quand on veut pouvoir débattre pacifiquement, ouais. Et que le seul retour que l'on a au niveau médiatique, quand on se pose des questions, c'est-à-dire on n'a pas de revendications spécifiques, est-ce qu'on aurait fait mieux? On ne sait pas. Mais en tout cas, on a des questions à se dire, est-ce que c'était la bonne décision? Quand, par exemple, vous avez des professionnels hospitaliers, des professionnels de la santé, des professionnels de l'éducation qui ont une expertise de terrain et que l'on bannit des espaces décisionnaires, on est assez désemparés. Et on est en droit de dire, écoutez, on ne comprend pas, on vous posera des questions, on peut vous proposer des choses. Et le seul retour que l'on a chez certains élus de terrain ou même certains journalistes mainstream, c'est des antivax, c'est des gens d'extrême droite. C'est des gilets jaunes, en fait, oui, d'accord. Oui, oui. Mais on se retrouve complètement désemparés devant des définitions qui ne nous concernent absolument pas et qui ne sont pas représentatives de notre réalité de terrain. Et là, on a vu ce qu'on voit, on se dit, formidable, une manière de pouvoir essayer de communiquer qui est non violente, clairement, hein, parce que pour tous les collectifs que l'on est en France, en tout cas pour la France, et même l'Europe avec les collègues européens avec qui on parle, il y a ce désir vraiment de rester dans quelque chose de pacifique, où il y a un apprentissage. Tout simplement, c'est notre histoire. Hein. Tout ce qui a été dans le cadre de la violence, malheureusement, s'est retrouvé à avoir peut-être un régime dictatorial derrière. Mais qui d'entre nous, des parents que l'on est aujourd'hui, a envie de ça? Personne. Bien sûr, oui, on est d'accord. Mais bien entendu, c'est assez logique, effectivement, comme raisonnement. On a beaucoup à perdre. Vous avez beaucoup à perdre, des choses comme ça. Donc on veut que ça se passe bien et on est, comme dit Marisa, les élus, venez à nous, on vous apportera des courriers des concitoyens, on est prêt à débattre, à proposer des choses. Sincèrement, c'est avec un immense plaisir qu'on vous recevra et le dialogue est toujours le meilleur moyen de se sortir grandi de la crise que nous venons de passer. Voilà. Ah, mais merci en tout cas. On continue, bien entendu. Alors, j'ai beaucoup de questions de gens qui me disent je suis là, comment je fais pour aller là. Ben, il y a beaucoup de questions et on va en parler de ça, bien entendu. On va en parler. Vous avez essayé d'exprimer parce que, alors, je continue. Hein, je voudrais le faire à la fin de l'émission parce qu'on est pratiquement à 1000 votes en ce moment. Continuez à voter sur YouTube, sur Twitter pour nous dire si vous participez ou pas et si vous n'avez pas assez d'infos. N'hésitez pas sur le chat YouTube. N'hésitez pas non plus. Vous êtes sur Pouch Live, l'émission de Pouch Media. N'hésitez pas non plus à aller sur Pouch.media. Vous avez pas mal de petits liens pour nous soutenir qui passent dans les commentaires et dans les chats. Merci en tout cas, vous êtes très très nombreux ce soir, hein, plus de 1700. Vous êtes tellement nombreux que le compteur saute, il revient. Hein, et voilà, donc peu importe. Mais tant mieux, vous êtes là. Voilà, alors on va faire la question des médias. Moi j'adore les médias, vous savez, je sais pas pourquoi, j'ai une passion immodérée pour les médias. J'adore les médias, moi je suis un grand fan. Donc j'ai fait ma revue de presse, hein, Marisa, Maria, sur les médias. Et j'ai vu des articles peu reluisants concernant certains sont peu reluisants. On nous a parlé de gilets jaunes, on parlait d'antivax, on parlait de… est-ce qu'aujourd'hui, mesdames, il y a des journalistes déjà qui ont commencé à vous appeler, ne serait-ce que faire leur boulot, vous appeler et discuter avec vous, de savoir un peu comment ça s'organisait, enfin, des questions de base de journaliste que n'importe quel étudiant apprend en première année de journalisme. Alors voilà, les médias indépendants, oui, se sont tournés vers nous. Les médias mainstream, on vous attend, en fait. D'accord. Venez communiquer avec nous, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, c'est mettre dans des cases, c'est beaucoup plus facile de dire que c'est un mouvement d'antivax ou un mouvement qui a été repris par les gilets jaunes que de dire que c'est un mouvement citoyen et que la France ne va pas bien. Voilà. Donc, on essaye encore une fois de nous mettre dans des cases. Et ben non, c'est pas ça. Je suis une femme, maman, et voilà, je ne me sens rien dans les cases dans lesquelles vous voulez me mettre, vous, médias mainstream. Donc, il nous donne encore une fois pas la parole. On est la même chose qu'avec nos élus. Alors, je ne sais pas où ils vont chercher leurs informations. Hein. Très honnêtement, je suis assez surprise. Je suis comme vous. J'ai entendu des choses comme quoi ça allait être violent. Non, désolée. Voilà, je compte rentrer chez moi après être allée à Bruxelles et retrouver ma famille. Ouais. Donc, non, je ne compte pas être violente à Paris. Voilà. Ouais. Et donc, c'est étonnant que… Enfin, pas étonnant, en fait, je dis étonnant, mais en fait, je sais que ce n'est pas étonnant parce que malheureusement, c'est comme ça. Mais personne
personne ne vous a appelé des grands médias. Quand je dis des médias, c'est médias mainstream, bien entendu. Personne n'a pris votre téléphone, donc il y a des articles qui paraissent sur le mouvement et personne n'a pris son téléphone pour vous appeler. C'est ça qui nous désole le plus, en fait. C'est d'avoir des articles avec, malheureusement, des journaux qui sont normalement sérieux et qui n'ont pas fait un travail d'investigation de terrain. Moi, personnellement, je trouve que c'est relativement inquiétant. Jusqu'à il y a quelques années, j'avais une très grande confiance dans la presse. J'achetais régulièrement des médias comme Le Monde, comme Libération, comme Marianne, comme... Je regardais des émissions sur France 2, sur France 5, la chaîne parlementaire. J'ai toujours estimé que c'était des émissions de très grande qualité. Pour autant, dernièrement, je commence à vraiment avoir le sentiment de ne pas avoir une information de qualité ou plurielle. Et c'est relativement inquiétant dans des grandes démocraties comme les nôtres. Et il me semble que si nous... alors on est dans une démocratie représentative, mais si nous, le peuple, à un moment donné, on ne s'alerte pas de ça en disant « Excusez-nous, est-ce que pourrait-on, s'il vous plaît, donner une alerte ?» Vous demandez pourquoi il nous semble que les informations ne sont plus représentatives de notre réalité de terrain. Si ça, on ne peut plus le faire et qu'on n'a plus la parole, est-ce que réellement, on peut estimer que l'on reste dans une démocratie représentative ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer de régler ça ensemble, d'en discuter et de voir comment on peut améliorer les choses ? C'est ça, la démocratie et le débat. Et j'irai plus loin que vous, Maria, c'est-à-dire que la presse, au-delà de tout, est un contre-pouvoir. Est un contre-pouvoir. N'est pas là pour servir la soupe, n'est pas là pour ne pas aller à l'encontre de la parole officielle, comme j'ai entendu récemment, c'est une grosse chaîne info, pour ne pas désagréger le consensus social. La réalité, c'est que la presse est là aussi pour jouer le contre-pouvoir. Si, à un moment donné, ce n'est pas le cas, ça pose de problèmes. D'ailleurs, je renvoie nos chers journalistes. Lisez la Charte de Munich, elle est très simple, c'est assez court. Vous allez, Charte de Munich, vous tapez. Et finalement, c'est notre code de déontologie à nous. Il faut le lire. Enfin, normalement, j'ai envie de dire que quand on est sérieux en journaliste, on l'adopte sans l'avoir lu, la Charte de Munich. Mais c'est intéressant. Finalement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Est-ce que vous seriez prêt à rencontrer les journalistes, par exemple, à Paris, pour discuter du convoi de la liberté et surtout des revendications ? Parce que le convoi de la liberté, soyons très clairs entre nous trois, c'est le package, finalement, ou l'emballage, pardon, pour parler français, de revendications beaucoup plus profondes, d'une volonté d'être à nouveau libre. Oui, bien entendu. Ouais. Bien entendu qu'on serait partant, sinon on ne serait pas proposé comme porte-parole. Donc, bien entendu, qu'on attend d'être contacté. Et ça sera avec grand plaisir. D'accord. Mais l'appel des libertés, droits fondamentaux, c'est ça. On a quand même des textes qui, normalement, nous protègent. Aujourd'hui, on est un peu surpris que ces textes ne nous protègent plus. Et ce sont nos élus. On a aussi des comptes à leur demander concernant les décisions qui ont été prises. Demander des comptes, c'est aussi qu'ils nous expliquent pourquoi, ce qui nous permettrait de comprendre et de leur dire, leur partager nous notre vécu de terrain et peut-être de réajuster. Moi, j'y tiens énormément à ça. En même temps, on n'a pas trop d'attente, Nicolas, dans la mesure où on voit comment l'information est traitée sur le Canada. Oui. Voilà. Donc, on ne se fait pas d'illusions, surtout qu'on pourrait dire, oui, mais les filles, vous aussi, vous n'avez pas les bonnes informations, mais Maria a de la famille au Canada, et elle vous le dira, il y a une telle distance entre ce que nous propose les médias mainstream comme information et ce qui se passe vraiment. Oui. Non, mais effectivement, moi, je vous dis, on suit le Canada, et on a des contacts sur place, au Québec, au Canada, et ce qu'ils nous disent, c'est que entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui est relayé dans les médias, vous savez, ça me fait penser aux Gilets jaunes dès le début. Dès le début, les Gilets jaunes se sont fait massacrer sur le plateau télé. Très sincèrement, et je l'ai dit plusieurs reprises publiquement, je pense que le traitement avec les Gilets jaunes a été tout simplement, je le dis, dégueulasse. Et on les a pris comme des punching balls. Mais vous savez, c'est toujours pareil, c'est des émotions populaires qui pour eux, ne sont pas légitimes. Voilà, et que le peuple reste dans son coin, et ça sera mieux comme ça. Je voudrais qu'on appelle, on a passé les 1000 votes, on est à 1045 votes, donc je vous donne, on va en parler, il nous reste encore 10 minutes, et après on a 2-3 questions. Donc les votes donnent actuellement sur YouTube, et continuez, n'hésitez pas. Alors, allez-vous participer au Convoi de la Liberté la semaine prochaine ? Les résultats sont oui à 47%, non à 20%, donc quand même une majorité de oui, et 33%, je n'ai pas suffisamment d'informations. N'hésitez pas à développer en commentaire, parce que Marisa et Maria sont là ce soir pour nous parler, elles sont là, c'est des porte-parole, donc elles ont toutes les infos. Mesdames, comment ça se fait qu'on a encore 3 personnes sur 10 sur le live là, qui n'a pas assez d'infos et qui ne sait pas s'il va participer par manque d'informations ?
Parce que, encore une fois, comme disait Maria, on essaie de tout coordonner, de mettre tout le monde d'accord et de diffuser de bonnes informations. Parce que si on donne des informations et qu'on se dédie le lendemain ou le surlendemain, c'est pas sérieux. Donc, on a vraiment travaillé déjà sur les trajets. Ça a été un travail de longue haleine. Après, pour plus de détails, je vous renvoie au Telegram Convoi France. Et Entraide Convoi France, où vous avez déjà énormément d'informations, dans le sens où sur Entraide Convoi France, vous avez par convoi donc les arrêts, les nuitées et les propositions que que chacun peut apporter. Parce que quand les personnes disent, quand vous posez la question, est-ce que vous allez participer, il faut aussi entendre ce qu'on met derrière le mot participer. Participer, ça peut être faire le trajet, effectivement, de Brest ou d'un autre départ jusqu'à Paris, mais ça peut être juste converger 2 heures. Ça peut être au point de ralliement, apporter une thermo de café et 3 croissants. Vous voyez, la partie où être sur le bord de la route avec une pancarte, la participation, elle peut être multiple. Et c'est bien pour ça qu'on a décidé de ne pas prendre les autoroutes. C'est parce que... vous ne prendrez pas les autoroutes, hein, voilà, c'est ça, c'est important comme information. Ouais. Voilà, on ne veut pas déranger déjà sur l'autoroute, parce que s'il y a des routiers et le convoi, on espère, sera important. Donc, laisser l'autoroute libre d'accès. Et aller, quoi qu'il en soit, c'est vraiment aller à la rencontre des gens. C'est vraiment notre objectif, parce que ça fait 2 ans que notre société souffre, est désunie. On a une séparation telle, et ça nous inquiète vraiment pour demain. Donc, on veut recréer du lien. Et je pense que c'est en train de... Et même, j'ai envie de dire, si on ne réussit pas à avoir les objectifs, on a déjà récupéré quelque chose. Parce que la devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Alors, on va en liberté, égalité, c'est ce qu'on va demander au Parlement européen. Maintenant, la fraternité, j'ai envie de dire, ça y est, elle est en voie d'être récupérée où elle l'est, et on n'a même pas encore démarré. Et ça s'est fait sans violence, parce qu'avec tout ce qui est les propositions qui sont déjà faites, mais c'est hallucinant. On va pas toutes les détailler, mais tout le monde se met en quatre pour nous aider. Tous les collectifs, je pense pas me tromper, tous les collectifs nous ont joints pour nous dire on va vous aider, quels sont vos besoins. Et ça c'est vraiment chouette, parce que c'est quand même hyper compliqué à gérer. Et même dans des petits départements, on peut voir que la solidarité se met en route et tout le monde va essayer, enfin beaucoup vont essayer de participer. Donc encore une fois, participer, ça ne veut pas forcément faire aller à Bruxelles. Ça peut être à différents niveaux. D'ailleurs, il y a Marie qui dit sur Facebook. Oui, allez-y. Il y a Marie qui dit sur Facebook, je suis commerçante et prête à aider pour se nourrir sur place. Donc, je fais plus d'intermède parce que c'est quelque chose qui paraît simple, mais c'est pas simple. Telegram, c'est une application. Parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est Telegram, hein, aussi. Il faut quand même le dire que Telegram, c'est quand même pas, c'est un WhatsApp, mais un peu plus, on va dire, intimiste, le Telegram. Donc, Telegram, c'est une application de téléphone, où on peut chercher sur ordinateur. Et ça permet aussi de rallier les groupes, parce que je pense qu'il faut vous l'expliquer, ça aussi. Parce que Telegram, tout le monde n'a pas Telegram. Hein. Il y a aussi Facebook. Voilà. Voilà. Et on est aussi sur Facebook, donc Convoi France, Convoi avec un Y, Convoi France, officiel. Vous nous retrouvez sur Facebook, et donc vous avez les mêmes liens que sur Telegram, où vous pouvez proposer et voir un petit peu ce qui se fait. Maria, vous voulez dire quelque chose? Qu'au niveau même de l'entraide, on a beaucoup de gens, je peux parler pour le PACA, qui ont fait remonter que soit pour des raisons ils ne peuvent pas monter parce qu'ils ont des enfants, des animaux ou bien des problèmes de santé ou même financiers, surtout, ça c'est la majorité, et de dire que vous êtes chez vous, n'hésitez pas à venir au bord de la route en toute sécurité. Avec un gilet jaune. Avec un gilet jaune de sécurité, bien entendu. Hein. Et une pancarte pour nous soutenir. C'est avec un immense plaisir nous rejoindre sur les points de repos. Tout est marqué sur les fiches trajets que l'on a diffusées, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur Telegram pour les plus avertis. Également sur la carte, on va mettre les lieux de passage dès que possible, dès qu'on a discuté de tout ça avec les nombreux collectifs, départements et régions de France. Mais également, si vous voulez, dans vos propres départements, vos propres villes, célébrer ce convoi avec nous, que ce soit au niveau local. Je sais que vous savez tous très bien vous organiser pour recréer cette solidarité.
Et ben vous pouvez refaire ce que l'on fait au niveau du convoi chez vous et qu'on partage ce moment tous ensemble. Alors, Alors juste une... oui, oui. Excusez-moi, juste une petite précision. Donc, les lieux de départ des convois sont déjà Voilà. définis, ainsi que les lieux de pause et les déjeuners. Ce que voulait dire Maria, c'est l'endroit exact de convergence ou d'arrêt ou de déjeuner. Déjà, pour la Bretagne, tout est publié. Ils ont fait un travail merveilleux. Et donc, vous savez, par exemple, si vous partez de Brest, vous savez que le rendez-vous est le jeudi à 10h sur le parking Buffalo. Voilà. Jeudi 10. Oui, mais à 10h. Ouais, ouais, jeudi 10 à 10h, oui, voilà, en ouais. plus, du parking Buffalo. Donc, la Bretagne, et on espère que demain, pour toutes les autres trajets, tout sera mis en ligne, aussi détaillé. Alors, sur Facebook, parce qu'il y a qui me dit sur Facebook, c'est où vous pouvez rappeler Marisa sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de se connecter en ce moment, apparemment, là, qui essayent de trouver les liens, apparemment, vu qu'il y a beaucoup de commentaires en ce moment qui défilent devant moi. Voilà. Alors, c'est Convoy France, Ouais. Convoy, Ouais. officiel. D'accord. Alors, il nous reste 5 minutes. Merci à tous. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Partagez, bien entendu, sur Facebook, pareil. Partagez. Si vous l'aurez depuis Twitter, vous partagez, vous retweetez, vous likez, vous citez. Bien entendu, si vous l'aurez sur Twitch, pareil. Et en tout cas, merci à tous d'être là. Il y a des petits liens aussi pour nous soutenir qui sont en train de passer dans les commentaires. Donc, je voudrais qu'on fasse un bilan rapide. Il y a 4 convois, c'est ça. Il y a 4, la France est divisée en 4 parties, on est d'accord. Et il y a des convois, 6 parties, ben vous voyez, j'ai bien, pourtant j'ai les programmes sous les yeux, mais je veux dire, il y a beaucoup de convois, et en fait, il y a des convois qui se rejoignent, notamment en Bretagne, il y a 2 convois qui se rejoignent, voilà, donc c'est vraiment, et ça donnera combien de convois principaux finalement, 4 convois, 5 convois? On a 6 convois, on a 6 6 convois, convois. Décidément, 6 convois, voilà, pardon, ouais. Voilà, on a 6 convois avec des départs multiples. Et dans certains départements où on n'a pas pu bien entendu faire un départ dans toutes les villes, mais Ouais. certains départements qui sont limitrophes à un départ sont déjà en train de s'organiser pour voir comment ils vont rejoindre le convoi. Donc oui, 6 départs, donc on a le nord, le nord-est, 3 trajets pour le sud qui sont sud-est, sud-centre et sud-ouest, mais pour chacun. Il y a encore une division au niveau des départs. Le nord-ouest, pardon, partira le jeudi, alors que le sud, tous les suds partent dès le mercredi. On prend notre temps, puisqu'on voilà, on veut aller à la rencontre des gens. Et le nord et le nord-est, eux, auront un départ le vendredi. Et Avec, pareil, à chaque fois des départs multiples au sein de ces trajets. là, sur une question beaucoup plus organisationnelle pour vous, j'imagine, ou les gens, j'imagine qu'il y aura des références sur place, enfin, des choses qui vont se faire. Comment on anticipe, vous, à l'organisation, ou du moins, je ne sais pas comment on peut dire, organisation, je ne sais pas, vous me direz ce que vous mettrez comme mot à la place, mais comment on peut anticiper les trajets, ce qui peut se passer, ce qui peut advenir sur les trajets, mesdames? C'est compliqué. On a essayé de faire. Là, ils sont en train de vraiment travailler sur un trajet bien précis, avec, c'est-à-dire quelle nationale on prend et ainsi de suite. On va essayer de prévoir un trajet bis. Maintenant, on ne maîtrise pas tout. On va avoir les coordinateurs de Convoy France, donc seront bien entendu devant. Ils auront très certainement un brassard ou un t-shirt pour les reconnaître de la couleur. Du convoi auquel ils appartiennent. Et puis, on va certainement essayer de mettre des personnes de confiance un peu sur la longueur pour que tout se passe bien. Et de Pour toute façon, encadrer. voilà, il y aura toujours, on sera toujours en lien téléphonique avec ceux qui sont dans le convoi pour prévenir bah, quand on arrive aux pauses, à quelle heure on va arriver, et ainsi de suite. Et puis, on va être, vous allez être là, ça sera certainement du direct aussi, je pense. Donc, les gens auront la possibilité de nous suivre et de voir exactement où on en est et ce qui se passe. Il y a des médias aujourd'hui, des médias indépendants, j'imagine, qui vont faire le déplacement, qui vont se déplacer à droite à gauche pour suivre aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être couvert, hein, je le crois, notamment pour Pouch. Vous avez déjà des choses comme ça? Oui, oui. Ouais. Oui, on a déjà. Oui, Ouais. là-dessus, on a eu beaucoup de propositions. D'accord. Donc, oui, ça va être couvert.
Et puis certainement des bonnes surprises. Vous voyez, aux nuitées, les coordinateurs se démènent vraiment pour essayer de trouver donc déjà des lieux agréables et proposer un moment festif avec un apéritif. Par exemple, à Paris, j'ai été contactée par les Blouses Blanches et on m'a dit on vous préparera des paniers repas. Voilà. D'accord, oui, parce que c'est des questions qui ont, c'est des choses qu'on a le nez dans le guidon, dans l'organisation, on n'y pense pas, mais quelqu'un qui, ce soir, qui est sur le live, qui voudrait se dire, ben moi, j'aimerais participer de façon pacifique et bienveillante à ce convoi, qu'est-ce qui va se passer pour moi au premier stop? Qu'est-ce qui va se passer pour moi dans la nuit? Est-ce que je vais devoir trouver moi-même un logement? Est-ce que je vais devoir aller à l'hôtel? Enfin, c'est des questions vraiment d'ordre, parce que si c'est sur une journée, ça va, mais si ça s'étale sur 3-4 jours, il faut aussi que les gens puissent se dire, comment je vais dormir le soir? Parce que ça a l'air un peu trivial comme question, mais elle est quand même suffisamment importante pour être posée et à laquelle on peut répondre. Oui, mais c'est clair, mais c'est à ça qu'on travaille toute la Ouais, journée. voilà. Encore une fois, on est des mamans, hein. Donc Ouais, ouais, tout ça, ouais. Oui, tout c'est ça ça, qui est intéressant. c'est Ouais. aussi pour ça, je pense, avec Maria, on s'est engagé, c'est parce qu'on a envie, on croit en ce convoi, à cette convergence sur Bruxelles, mais on a envie que ça se passe le mieux possible. Oui. Donc on est en train de vraiment tout réfléchir. Encore une fois, les canaux Telegram et Facebook sont là pour ça. Pour que tout se passe mieux, que les gens puissent. Alors, on a demandé aux personnes sur les canaux, par exemple, pour les hébergements, de faire leur offre, que les personnes qui souhaitent être hébergées répondent en mode privé, puis qu'après, l'offre soit retirée, et ainsi de suite. D'accord. Donc, on espère qu'un maximum de personnes pourront être logées. Bien entendu, on peut pas s'assurer pour tout, mais on essaie vraiment, on se plie en quatre pour que tout soit fait dans les meilleures conditions. Et même sur des petits départements, des petites haltes d'une heure, les différents coordinateurs, ils sont déjà 60 à 80 à travailler, à dire on va faire des tartes. Voilà, je pense qu'on risque de prendre des kilos parce qu'on va être en voiture et on va pas arrêter de nous nourrir, en gros. Et on se prépare à dormir dans la voiture aussi si besoin. Oui, Parce que voilà, on voilà, se c'est aussi prépare. la réalité. On va faire vraiment au maximum. Après, il faut quand même, voilà, s'il y en a qui prennent le convoi, qui se disent, bon, il y a peut-être des chances que par moment, si on passe dans des coins peu habités, qu'on puisse dormir dans la voiture. Donc, vraiment se préparer, se chauffer. On met tout en œuvre pour que vous ayez toutes les informations, pour que ça se passe bien. Et voilà, et on invite les gens, voilà, qui veulent nous rejoindre sur le convoi, qui ne peuvent pas faire tout le trajet. Si vous avez envie d'être avec nous juste pour nous accompagner, vous faites 5 km, 10 km, 50 km avec nous. Ça nous fera super plaisir. Alors, j'ai encore deux petites questions et après nous arrêterons l'émission, mais en tout cas, merci. Première question, c'est avec les autorités. Forcément, si vous avez un convoi, certains convois qui commencent à représenter beaucoup de véhicules, est-ce que vous avez déjà des contacts avec les autorités, les préfectures des uns et des autres? Parce que s'il y a, je sais pas, je vais dire un chiffre à la louche, hein, 300 ou 400 véhicules sur un convoi, sur une nationale, rapidement, ça va se voir, ça va quand même bien ralentir le flux d'histoire. Et puis, je crois que vous avez prévu de rouler à 60 km/h. Donc, concrètement, ça peut faire un bouchon, hein, même si ce n'est pas une volonté de bloquer tout de même. Mais quand vous êtes sur l'autoroute pour partir en vacances et qu'il y a 50 km de bouchons, C'est vrai, non, mais oui. ça sera pas pire. Et puis ça sera sur une durée courte. Une fois que le convoi est passé, ça risque effectivement alors une gêne, je sais pas, parce que j'ai bon espoir qu'on ait un bon accueil sur les villages où on va passer. Et encore une fois, ça va être un moment historique. Je crois pas, alors, que c'est déjà été fait. Et avec toutes les Non. voilà, avec toutes les concessions qu'on fait depuis 2 ans, je doute que nos concitoyens vont nous en vouloir si on dérange la circulation pendant 1 heure. Sachant qu'on va respecter le code de la route, assurer un maximum la sécurité. Comme on vous l'a dit, hein, nous, le but est de vraiment porter la parole de nos concitoyens quand on le peut, d'être dans une démarche de démocratie, de débat, d'échange et de respect, bien évidemment. De la sécurité et de la sécurité routière. En aucun cas, il est question de mettre du désordre ou de mettre en difficulté les forces de police. Et D'accord. d'ailleurs, Moi, c'est dit. à ce sujet, on a déjà, moi je sais que j'ai une coordinatrice d'un arrêt qui a déjà déterminé son lieu. Ils ont été nettoyés parce que on évite de déranger aussi, c'est pas le but, hein. Ils ont déjà été nettoyés la place pour être sûr que ça soit propre quand le convoi va arriver. Et elle a prévu une équipe de nettoyage.
Et pour quand le convoi va partir, alors bien sûr, on demande à chacun d'être responsable. Et voilà, c'est une évidence. Mais pour être sûr de ne pas avoir dérangé, elle a prévu une équipe de nettoyage pour quand le convoi sera reparti. Pour laisser place honnête et place propre. Je pense que c'est difficile pour quelque chose qui part un mouvement spontané de faire mieux que, que ce qui est en train de se mettre en place. Mais nous, moi, je veux dire, après, je pose la dernière question, il arrêtera là. Mais c'est vrai qu'en tant que journaliste, moi, indépendant, qui ai suivi les mouvements sociaux, qui les suit toujours, les gilets jaunes, la réforme des retraites, fait tout ça, même contre les manifs. Les manifs, je n'appelle pas ça anti-pass, mais j'appelle des manifs pour la liberté. C'est comme ça que je l'appelle, moi, en tout cas. Finalement, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que je voulais vous avoir ce soir. Parce que c'est séduisant comme idée et que nous, en tant que journalistes de terrain, on a envie de voir ce que ça va donner sur le terrain. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se mobiliser? Est-ce que, et j'en viens à ma dernière question, qui est peut-être la plus difficile. Veuillez m'en excuser, mesdames. Mais à quel niveau de voiture, à quel niveau de véhicule, pour vous, ça serait un succès? Je sais que c'est difficile, mais sur un convoi, est-ce que 100, 200, 300 véhicules sur un convoi commencerait déjà à être quelque chose d'intéressant si on part du principe qu'il y a 2-3 personnes par véhicule, quoi? Je pense que j'ai envie de dire à tous nos concitoyens, surprenons-nous de notre capacité à être solidaires et à montrer que nous sommes capables de faire des belles choses. Les Canadiens, en ce sens, nous ont donné un très bel exemple. J'espère qu'en Europe et en France, on aura la possibilité au moins, au minimum, de faire ce qu'eux ont fait. Et je pense qu'on en sortira tous grandis. Le succès, comme disait Marisa, hein, c'est déjà rien que d'arriver à faire ce qu'on voit se mettre en route ensemble. Bon, ben espérons qu'en tout cas, les médias mainstream viendront vous parler, viendront vous interroger dans un traitement bien entendu équilibré. Pour terminer, donc les gens peuvent avoir les informations soit sur Facebook, le groupe Facebook. D'ailleurs, je vois que vos équipes travaillent bien parce qu'il y a des messages de vos équipes qui passent dans les commentaires, notamment sur Facebook, pour que les gens puissent aller voir. Hein. D'ailleurs, il faut noter que ce groupe Facebook atteint pratiquement plus de 192 000 membres, ce qui est absolument colossal. C'était 40 000, je crois, dimanche dernier, parce qu'on a été les premiers à faire un article sur le convoi. Et il a pris un nombre de dizaines de milliers de gens dessus. Donc, en tout cas, on verra bien là-dessus. Donc, rapidement, c'est sur Telegram et Facebook pour avoir toutes ces infos. Voilà. Alors, peut-être le Facebook qui est à 192 000, c'est peut-être pas celui de Convoi France. Pardon, rectifiez. Oui, parce que c'est vrai que nous, au niveau de Convoi France, on a du coup fait la communication officielle selon Convoi Europe. Donc, on a mis un peu de temps à mettre en place le Facebook. Juste aussi parce que certains d'entre nous, on a un peu de mal avec certains réseaux sociaux qui n'ont pas une manière éthique des fois de traiter les choses. Je ne vois pas quoi vous parler. Donc du coup, c'est vrai que voilà, mais c'est pour les concitoyens, vous le disiez très bien, Telegram est une application pour moi, par exemple, mes voisins qui ont 70 ans, aller sur Telegram, c'est très très compliqué. Ben oui. Facebook, c'est encore plus simple. Donc on essaie aussi de s'adapter avec des supports qui sont auxquels tout le monde a accès. Dommage que ce soit Facebook. J'espère que suite à ces mouvements-là, on va être capable peut-être d'inventer des systèmes qui sont plus éthiques. Bien entendu. En tout cas, on vous laissera les liens en bas de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas, Marisa, porte-parole de Convoi France officielle, et Maria, porte-parole de European Freedom Convoi et de Convoi France. Merci à tous les deux d'avoir pris ce temps pour nous parler, pour nous dire ce qu'il en était, parce que nous, journalistiquement, ça nous intéresse. C'est un mouvement social, un mouvement populaire, j'ai envie de dire, donc ça nous intéresse. C'est pour ça que vous étiez là ce soir avec nous. Espérons qu'on vous voit très vite sur d'autres antennes. On vous laisse maintenant à vos coups de téléphone, à vos télégrammes, à vos textos, à vos compas et toute votre joyeuseté. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Merci à tous. Vous avez été très, très nombreux ce soir à regarder sur Twitch Live. N'hésitez pas à repartager cette émission. TV, le Flash Info. Voilà pour cette émission. Merci à Nicolas Vidal, hein, le journaliste. Et puis merci donc à Maria et Marisa de Convoi France pour cette émission. Donc on en sait maintenant un petit peu plus. Ce que je vous propose, c'est juste de vous donner une info que moi j'ai notée dans tout ça. C'est important. Le convoi s'arrêtera bien en région parisienne et non à Paris. Vous avez entendu, je ne sais plus si c'est Maria ou Marisa qui a dit qu'effectivement le soir, ils resteront en région parisienne. Tout
sera organisé, etc. Il ne rentre pas dans Paris. C'est important de se souvenir de ce détail pour la suite. Voilà, bah, j'espère qu'on va se retrouver. J'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois à Nicolas Vidal et au Média Putsch, hein, que l'on remercie. Nous, demain, on se retrouvera dès demain. Il a parlé de Gilets jaunes. On ira faire un petit tour aussi auprès des Gilets jaunes demain. On est samedi matin. Et puis, on ira savoir leur avis, hein, sur ce convoi de la liberté. Et puis, on ira faire un tour au marché pour acheter des fruits si vous voulez, mais c'est surtout aussi pour voir Sud Hôpital qui fait un point avec les Rochelais, avec le public, un point information. Donc on ira voir ça demain à partir de 10h, donc Sud Hôpital au marché de La Rochelle. Voilà pour les infos, vous voyez, ça va se mettre en place, les informations sur votre média. Quand il y aura de l'information, non pas qu'il en vaut le coup, toute l'information en vaut le coup, mais là, cette information du combat de la liberté, je vous assure qu'on va le suivre. À très bientôt, à demain, on se retrouve très très bientôt, à demain, salut. Platine Web TV, le Flash Info.